Good morgen, allez, Idan et Tutra aujourd'hui, le Lunchmat avant Madre, Ben Israël, Bethany David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contacté de 5 minutes éternelles, nous étions en Sérat Ktuvot, Père Gimel, Mishnah Bet, Ve Elou Shein, En La Em Knas. Aba Ala Giyoret, Vala Shivuya, Vala Shifra, Sheni, Vdou, Vshini, Dgay, Rolin, Shitach, Eru, Yeterot, Albinot, Shalosh, Shalim, Vyo, Vechad. Rabbi Yehuda Omer, Shvuya, Sheni, Vdet, Arei, Bigdou, Shata, Afalpi, Shegdola. Aba al bito, ve al bat bito, ve al bat beno, ve al bat ishto, ve al bat bena, ve al bat bita, en elle m'knas mi penye chen mitraïev benafcho, chen mitato, bidei bet din. Le chol mitraïev benafcho, en ou chen mammon, chen emar, ve lo ye son, ano shi anesh. On est dans la Mishnah réciproque de la Mishnah précédente. Comme on avait ouvert le psukim dans Parashat Kitetse, on avait vu qu'on parle du sujet des viols des jeunes filles. Vierge, jusqu'à, ça peut être une enfant ou même une jeune fille, pas qu'elle est devenue adulte, parce que quand elle est adulte, elle perd la virginité, la peau elle s'affaiblit, elle se commence déjà à se percer, donc elle est plus de bonne qualité. Et il n'y a plus le knas, essentiellement. D'accord? Là, dans la première Mishnah, on avait vu qu'il y avait trois choses. Il faut payer un knas, une amende, 50 pièces d'argent. En plus de ça, on est obligé de se marier avec cette fille-là. Et en plus de ça, on ne peut pas la divorcer toute sa vie. Interdit de divorcer. À la défense d'une femme que si j'en ai marre, je peux la divorcer. Elle, on n'a pas le droit de divorcer. D'accord? Ça, on a vu dans la Mishnah précédente, maintenant quelque chose d'important, c'est que si toutefois on se retrouve avec une femme, on n'a pas le droit de la marier, parce que ça l'interdit de passer par un lave, c'est une mamzerette, c'est une guillorette, c'est une guillorette et moi je suis Cohen et je ne peux pas marier avec elle, et une guillorette de plus de 3 ans, ou toutes sortes, on avait évoqué encore même pire que ça. Celui qui a un rapport avec sa sœur. Il ne peut pas marier sa sœur, il n'y a pas de kilouchine tofim. C'est un truc carrette. Et l'enfant, il a même zère en plus. Mais malgré tout, il a l'obligation de payer le knas si toutefois il la viole. D'accord? C'est ça la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va voir que voici les filles qui n'auront pas de knas, qui n'auront pas cette amende. On ne pourra pas leur donner cette amende. Pourquoi? Ah bah, alors, chacune, elle va avoir une raison différente. Il va y avoir plusieurs séries. Ah bah, la guillorette va la chouïa, va la chifra, chenivdou, chenivgaïrou, chenishtafrou, yeterot, albinot, chenishon, miyomefad. Celui qui va avoir un rapport avec la convertie, avec la prise en captivité, avec la servante, qui ont été libérées de captivité ou converties, ou encore qui ont été libérées, pour la chifra, quand elles avaient yeterot al-bnot shalosh anim yom echad, alors qu'elles avaient plus que 3 ans et 1 jour, eh bien, dans ce cas-là, c'est-à-dire, puisqu'elles ont passé l'âge de 3 ans et 1 jour, elles se sont déjà retrouvées encore, en restant encore en contact avec Goïm, on craint que les goïm ont abusé d'elle, on fait ce qu'ils ne veulent pas faire, et elle n'est plus bétoula. De ce fait, si un juif va violer cette fille-là, cette guillorette, cette chevouilla, quand elle aura 12 ans, d'accord? Est-ce qu'il devra lui donner quand même le knas? La Mishnah me dit qu'il n'aura pas besoin de lui donner le knas, parce que, puisqu'elle a été restée chez les goïm, c'est quasiment fort probable qu'elle n'est plus les bétoulim. D'accord? C'est intéressant d'ailleurs de voir la fréquence avec, ça pouvait, avec laquelle il faisait ça. C'est tellement important, quoi. Je ne sais pas comment c'est concrètement aujourd'hui, mais bon, j'ai du mal à imaginer que chaque goy fait ça. C'est un peu bizarre. D'accord? Peut-être que oui. Elle est un peu trop fausse la réote, à plus forte raison pour eux. Et je continue avec la suite de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Shvuya Shenivdet Arehi Bigdou Shata. Rabbi Yehuda me dit, attention, là, t'as mélangé trois femmes, il y a la captivité, il y a la convertie, il y a la servante, je ne suis pas d'accord sur la captivité. La prise en captivité. La captive, la captive qui a été libérée, qui a été rachetée, Ari Bigdoshata, elle est restée sur sa, dans sa Gdoucha, parce que, Afalpi, Sheikh Dola, bien qu'elle soit grande, il me dit, Rabbi Yehuda, qu'en fait, il me dit que tu avais raison peut-être pour la servante et pour la guillorette qui était encore chez les goïms. Peut-être qu'ils ont abusé d'elle quand elle était petite à plus que 3 ans. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur la Shevuya, la fille qui a été prise en captivité, parce que selon Rabbi Yehuda, elle a une chesquette kashrout, elle est née kshera, jusqu'à preuve du contraire, on ne la fait pas bouger de sa kashrout. D'accord? À la différence des autres, de Guillot et Chifra, qui n'ont pas été presque kashrout, elle est née, elle était pure, et maintenant elle était prise en captivité, on ne sait pas ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu,
n'y a pas lieu de lui reprendre le knas. Même si on avait vu que par rapport à la pouvoir la marier avec les Kohanim en haut, on a vu qu'elle pourra plus se marier avec un Kohen dès qu'elle était pauvre en captivité, parce qu'on soupçonne qu'elle était violée par le goy. Mais pour ce qui concerne malgré tout le pays de knas, il n'y a pas de raison de le dispenser. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ah bah, on va part ça maintenant. Une autre série. Donc pour le moment, ce qu'on a vu, on a vu trois sortes de femmes qui n'auront pas de knas parce qu'on soupçonne qu'elles sont déjà plus vierges. En fait. Il y a maintenant un deuxième cas, qui étaient des vraies femmes vierges qui ont été violées, mais qu'il y avait une transgression de condamnation à mort. En l'occurrence, Abba Albito, celui qui va aller avec sa fille, Albat Pito avec sa petite fille, ou Albat Beno, la fille de son fils, Albat Ishto, la fille de sa femme, Albat Benar, la fille de son fils, de sa femme, Albat Bita, la fille de sa fille, de sa femme. Tout ça, c'est tout découle du même interdit. Veisha, et Bat Bita, et Bat Bena, et Bat Bita, l'eau est galée, je ne sais plus comment c'est dit exactement dans le pasouk. Ervat bitra l'ot égalé. Et bat benav et bat bita l'ot égalé. Comme ça, la nudité de ta fille, tu la dévoileras pas. Là, et même celle de sa petite fille et celle de sa de la fille de sa fille ou la fille de son fils. Il y a par ça aussi Veisha. Je sais plus comment c'est dit. Bon, concrètement, on est toujours dans la même situation. Concrètement, un homme n'a pas le droit de marier une femme et d'avoir un rapport, soit avec sa fille, avec sa petite fille, ou de cette même femme, ou même aussi, c'est pas le cas ici, parce que ça connaît, il n'y aura pas de cas, mais même non plus avec sa mère, ou avec sa belle-mère aussi, ou avec sa mère, ou avec la grand-mère de sa femme, parce qu'il y a un interdit d'avoir un rapport avec deux femmes de même ascendance. S'il y a juste si une elle est mariée, il pourra pas avoir un rapport avec l'autre, c'est une inceste. Ok? Ça, c'est pour la. Donc, et ça, il y a une condamnation à mort, le droit de Sréfa. Ouais. Pour celui qui transgresse toute cette série d'interdits. De ce fait, celui qui va violer sa fille ou sa petite fille, puisqu'il transgresse une Avera sur laquelle est passible de mort par le Bet-Din, alors dans ce cas-là, il ne devra pas payer le Knas. Pour quelle raison? Ça, c'est une toute autre halakha. Alors, je refais ça dans les mots, vous allez voir. Abba Albito, celui qui va avoir un rapport avec sa fille, Bat Bito avec sa petite fille, du côté de par sa fille, Val Bat Beno, la fille de son fils. Val Batisho, la fille de sa femme, Val Bat Bena, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille de sa fille. Et les Knas, ils n'auront pas de Knas, il ne faudra pas payer le Knas. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé une. Il a fait un acte sur lequel il est passible de mort au Bet Din, chez Mitato Bide Bet Din, car sa condamnation à mort dépend du Bet Din. Et là, on a une règle. Toute personne qui doit être condamnée à mort n'aura pas besoin de payer l'argent qu'il a fait au moment de sa transgression. Je vais l'expliquer tout de suite, mais d'abord je traduis le pasouk. Chez Neymar, comme me dit le verset, Veloye Asson, et il n'y aura pas de mort. Alors dans ce cas-là, Anosh et Anesh, il faudra le punir, c'est-à-dire le faire payer. J'explique à la fois la halakha et à la fois ensuite le pasouk, on y arrive. C'est la halakha, la fameuse halakha, vous avez déjà entendu parler de Kimle Bederba Mine. Soit, si sur une même action que j'ai fait, il y a un aspect de l'action sur lequel je suis passible de payer, et un autre aspect sur lequel je suis condamné à mort. Par exemple, un cas simple, il avait une super belle chemise de grande marque, et après un couteau, il l'a perforé et l'a tué. La chemise, est-ce qu'il faut la payer aussi aux héritiers ou pas? Pire que ça, imaginez, c'était même pas la chemise de lui, c'est la chemise de quelqu'un d'autre. Ou même mieux que ça, on a tous en situation, pendant qu'il a pris le couteau, qu'il a lancé, ça a perforé d'abord quelque chose qui appartenait à Réhouven, et puis après le couteau, il est parti tuer Shimon. Dans la même action qu'il a fait, il a à la fois une cause de condamnation à mort, et à la fois une cause de condamnation d'argent. La Mishnah me déduit du pasouk, Veloïa son anosh et anesh, que tu condamnes sur une seule chose et pas sur deux. Et en l'occurrence, la plus grave. La plus grave des deux, c'est la condamnation à mort. Tu condamnes à mort et la plus grande payée. Selon ce principe, maintenant, donc, Kim Lei Bederba Mine, mets-lui la plus stricte des punitions et c'est tout. Genre, il a pris une petite. Il avait trois condamnations sur lui, une d'argent, une de condamnation à mort, une de malcoute, même, c'est le même principe. Tu donnes une seule, la plus grave. La plus grave, c'est bien évidemment la mort. D'accord? De quoi le pasouk qu'il a parlé exactement? Le pasouk qu'il a dit, Velo Yasson, Anosh, Anesh. Là, on parle de nouveau. On parle d'un cas où il y a eu. Toute une mise en scène où il est en train de vouloir frapper son copain, et il a bougé, et son coup, il est parti chez une femme enceinte, et elle a perdu ses bébés. Et ils sont morts. Et là-bas, il y a un devoir de payer
les embryons à la mère, mais à condition que Loï Asson, qu'il n'y aura pas eu de catastrophe chez la mère. Parce que si quand il a mis le mauvais coup à la mère, il a aussi tué la mère, alors dans ce cas-là, il ne faudra pas payer. Pour quelle raison? C'est le même principe. À partir du moment où on condamne quelqu'un à mort sur l'action qu'il a fait, on ne peut pas lui demander de payer aussi. C'est parce que Kimle Bederabamini, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.